Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo pour la conception d'un bateau. La première chose, on va sous SketchUp et on va aller ouvrir le fichier que je vous ai donné. Donc vous allez chercher à l'endroit où il est. Pour moi, c'est 002 modèle départ, mais vous allez chercher à l'endroit où il est. Donc normalement, vous allez commencer, on le met en plein écran, vous allez commencer par une vue comme celle-là. Donc ici, on a des côtes et ici, on a en fait tous les couples que j'ai déjà dessinés qui vont composer les couples du bateau. Donc chacun, c'est un ensemble de courbes. Par exemple, je vais sélectionner le 1. Hop là, ça c'est déjà pour commencer, c'est un groupe. Donc on va éclater le groupe. On clique gauche pour sélectionner ce groupe avec les dessins. On clique droit dessus. On clique droit, voilà, et on éclate. Première chose, on recommence. Maintenant, je cherche le numéro 1. Le numéro 1, je le sélectionne. Il est ici. Voilà, on a sélectionné le 1 avec son numéro. Et on voit qu'il y a une des courbes qui est en bleu. Donc, c'est cette courbe qu'on va devoir déplacer. Et là, on a les décalages. La courbe 1, on va devoir la décaler de 884 mm. La 2, de 2400 mm. La 3, c'est le décalage de la 2 plus 800 mm, soit 2400 plus 800, ça fait 3200, et ainsi de suite. On va rajouter pour toutes les autres 800 mm à chaque fois. Donc c'est pas très compliqué. D'abord, on sélectionne la numéro 1 qui est déjà sélectionnée. Vous pouvez la resélectionner. Le plus simple, c'est d'appuyer sur la côte. Donc là, je suis sur la 3. Je sélectionne la 1. Je prends l'outil Move ou touche de raccourci M et j'appuie dans le vide. Je décale sur l'axe rouge. Et je sélectionne, on avait dit, ça y est, j'ai oublié la cote, c'est pas très très grave, 884 mm. Hop là, je me remets sur l'axe rouge et j'écris 884. Je valide. Et on fait ainsi de suite pour toutes les courbes. La 2. La 2, c'était 2400 de mémoire. La 2, 2400. M, 2, axe rouge, 2400. La 3. 2400 et 8, 3200. 3200. La 4, 3200 et 8, 4000. 4000. C'était pour la 4. On vérifie. Donc on en était à 4000. Voilà, on décale tous les couples les uns après les autres. La 5, on la décale de 4000 plus 800. 4800. La 6, 4800 plus 800, 5600. 5600. 5600. Hop là, 5600 plus 800, 6400. 6400 plus 800, 7200. 7200 plus 800, 8000. Et enfin, la dernière, la 10, il y a une erreur, c'est 8000 aussi. 8000, la même cote. Voilà. Donc là, normalement, on a tous les couples qui vont composer notre bateau. Voilà. On a nos couples. Donc, on a le 1. On vérifie si le numéro semble en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est fabuleux. Voilà. Donc, maintenant, ça va être assez simple. Hop là. Ça, on peut virer celle-là. Je l'efface. Ensuite, on a tous nos couples. On va tous les sectionner ensemble. On s'assure qu'ils soient tous bien sélectionnés. Voilà. Celle-là, je ne sais pas pour quelle raison, elle n'est pas sélectionnée. C'est pas grave. On va éclater nos groupes. On peut virer nos côtes si on a envie. Comme ça, on n'est pas gêné. Hop là, je les sélectionne les unes après les autres avec l'outil section. Et je les efface. Maintenant, il nous faut un outil. Un outil de courbe qui sont les courbes de Bézier. Donc, si vous vous rappelez bien, vous pouvez le télécharger ici
en téléchargeant sur Sketchucation, dans le mode recherche qui pour vous peut-être en 2016 va se retrouver en bas, et on tape Béziers tout simplement. Voilà, Béziers, et celle qui nous intéresse, je pense que c'était celle du haut. Ben voilà, c'était Béziers Spleen version 1.8a. Vous tapez sur auto-install, ça va l'installer. Voilà, si jamais il ne s'affiche pas, ce qui est assez peu probable, vous allez dans affichage, palette d'outils, et dans palette d'outils, on cherche, c'est BZ Toolbar. Voilà, hop là, elle est effacée, je la remets moi, parce qu'elle était déjà à l'écran, BZ Toolbar. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre la première courbe de Bézier, qui est ce qu'on appelle une courbe de Bézier classique. Et vous allez voir ce que ça fait. D'abord, on va sélectionner. Je vais appuyer sur le début de cette courbe et je vais aller jusqu'à la fin de ma courbe qui se trouve ici. Et ensuite, voilà, cette courbe, on peut la rendre malléable. Je vais cliquer sur tous les points par lesquels je veux qu'elle passe. Sachant que la courbe de Bézier ne va pas passer par les points, mais elle va faire la courbe idéale entre les deux extrémités en passant par ces points. Donc, une fois, deux fois, je m'assure bien que je clique au bon endroit. Ici, je clique sur toutes les extrémités. Et quand j'arrive à la dernière extrémité, c'est celle-là. Je clique deux fois de suite consécutivement, deux fois rapidement. Voilà, j'ai une jolie courbe. Et on va faire la même chose avec les autres points. Donc là, je me mets juste en meilleure perspective. Voilà, cette perspective me plaît beaucoup. Je prends celle-là et je recommence avec ça. Mon point de départ, mon point d'arrivée et tous les points intermédiaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais cliquer deux fois consécutivement dessus pour fermer ma courbe. 7. Voilà. On continue avec la dernière. Mon début, ma fin, tous les points intermédiaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, deux fois de suite, pardon. Voilà, on a nos jolies courbes. On peut prendre, si l'on veut, celle-là, ce point nous intéresse. On a nos courbes, nos courbes, nos courbes. Alors maintenant, écoutez, voilà, pour y voir clairement, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner mes courbes les unes après les autres. Une, je reste appuyé sur Shift majuscule pour sélectionner la deuxième courbe. Deux, trois courbes. Ça aussi, ça m'intéresse. Je la sélectionne. Ça, ça m'intéresse aussi. Un, et ça. Et je vais prendre l'outil Move, déplacer, M. Je vais appuyer sur CTRL ou ALT pour la copier. Et je vais la décaler, vu que je suis en millimètres, je vais la décaler de 8000 mm. 8000. J'ai fait une copie. Voilà. Comme ça. Ce qui me permet de ne pas perdre mon dessin de départ si j'ai envie, si j'ai envie de revenir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est assez magique. On va utiliser un autre outil qui s'appelle... alors, celui-là. C'est celui-là. C'est CurviLoft. Alors, est-ce qu'il est ici, CurviLoft? Allez, on y va. On utilise ça, CurviLoft. CurviLoft. Et il est là, CurviLoft. Et on va l'auto-installer. Donc moi, j'avais déjà installé. OK. Je ferme. Donc, j'ai mon outil. Avec mon outil CurviLoft, j'ai sélectionné. Donc, c'est celui-là. Si vous ne l'avez pas encore, on va dans Affichage, Palette d'outils, et on sélectionne CurviLoft. Moi, je l'ai tout simplement, s'il n'est pas sélectionné, c'est tout simplement que je l'ai déjà intégré dans une autre barre d'outils plus globale parce que ça m'intéresse. Donc, vous pouvez la sélectionner. Et là, on va sélectionner 1, Shift ou majuscule, 2, 3. Voilà, on a 3. Et je vais appuyer sur cet outil-là, qui est un outil de maillage, qui est très intéressant. Et voilà, il me fait une jolie courbe. Là, on pourrait rentrer, mais les paramètres de base, on pourrait rentrer le nombre de segments, on pourrait rentrer une extrapolation. Pour l'instant, on n'a pas besoin. On va juste le valider parce que tel quel, il me plaît beaucoup. Et je valide. On recommence. On sélectionne. On sélectionne la courbe. Une. J'appuie sur Shift ou majuscule. Je reste appuyé pour sélectionner une autre courbe. Deux. Hop là, j'arrive pas. Deux. Trois. Et vous allez comprendre tout de suite ce que l'on veut. 4. Et je resélectionne mon outil de maillage. La courbe est superbe. Le maillage est superbe. Je valide. OK.
Voilà, on a notre joli maillage. On commence à comment ça ressemblait à un bateau. Et là, histoire de ne pas le perdre, on va faire encore pareil. 1. On sélectionne les deux faces qu'on vient de créer. On appuie sur la touche CTRL ou ALT, selon que ce soit un Mac ou un PC. On le décale de 8000 par copie. Donc. Et là, lui, je vais encore le recopier. Je retouche M, CTRL ou ALT pour faire une copie. Je le décale sur l'axe vert un petit peu. Je n'ai pas besoin d'une dimension importante. Juste, je le décale. Je sélectionne l'outil symétrie. Je prends l'outil opposé, celui-là, pour l'inverser en symétrie. Je le décale jusqu'à ce que je vois apparaître en bas. Moins 1 pour avoir une symétrie exacte dans l'autre sens. Voilà, je change l'outil orbital pour changer de perspective. Orbital pour changer de perspective. Et là, je prends l'outil move. Je vais attraper très précisément à mon extrémité pour le coller à mon autre extrémité. Voilà. Il nous manque. Voilà, normalement, il travaille un petit peu. Je vais le laisser travailler. Et là, ce qui nous manque, j'espère qu'il ne va pas me planter mon SketchUp. S'il est fort possible, j'ai l'impression. Ce n'est pas très, très grave. Sauf qu'il faudra que je recommence tout. Pensez à enregistrer souvent dans SketchUp, bêtises que je n'ai pas faites. Bon, je crois que mon SketchUp a planté. C'est pas très grave. Je vais arrêter la vidéo là. Et puis je vais la reprendre ensuite. Ouais, il a planté.